Nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. Je suis Charlie. Israël gagne cette guerre. Pourquoi ? Comment est-ce qu'elle la gagne ? Plusieurs jours avant que les morts vivants attaquent les hommes, ils ont été les premiers à savoir et les premiers à agir. Le drame des attentats de janvier. Tu veux des réponses ? En septembre pour nous. Face à ces crimes, c'est l'homme que tu veux voir à Jérusalem. Après les paroles, il est urgent de passer aux actes. Un État en particulier m'inquiète, c'est l'Iran. Comme le philosophe du droit Austin nous l'enseigne, nommer et dire, c'est déjà faire. Madame et messieurs, députés, sénateurs, je les équipe. J'aimerais que tout le monde comprenne, vu et répondre normal. Je remercie Hyper Casseur. Je vive ici, d'autres rires. Et notre tous les ans au cœur, la France est un pays des droits de l'homme. Mon histoire, c'est même que plus les ans. Je resterai mon bon flex, parce que mon cœur a parlé, qui m'ont fait agir toujours là. Il n'y a pas de question des communautés, paternité, telle ou telle religion. Hyper Casseur, tout le monde. Entier, bien, beaucoup, musulmans. Putain, ce que c'est beau. Ligue des droits de l'homme. Je crois qu'on a trouvé notre héros, monsieur le président. Inspecteur, des enfants brisent la minute de silence. T'en as repéré combien ? Je sais pas, c'est la panique générale ici. Faut penser à l'étape supérieure. Faites-moi une loi solide. De la Merloc, mais à la française. Christiane, on fait quoi avec ce gamin qui a toussé pendant la minute de silence ? Après les attentats odieux que nous avons subis, nous devons être performants. Ok, je m'en occupe. Il ne faut jamais que le juge soit loin. T'inquiète, c'est bon. Monsieur le juge, mon client, qui je le rappelle n'a que 8 ans, était enrhumé. Oui, j'ai compris, maître. Il a toussé. Mais il l'a bel et bien brisé, cette minute de silence. Charlie, c'est ton fils qui nous a prévenus. Vous allez regarder ces dessins et rire, d'accord ? C'est votre liberté que nous exerçons. Pourquoi suis-je là ? À cause d'une phrase sur Facebook ? Et que faites-vous ici ? Nous faisons la loi, comme nous savons le faire souvent. Ah bon ? Vous saviez pas, vous ? Vous avez une idée de ce qui a pu le tuer ? Mais c'est le chien qui l'a mordu, hein ? Monsieur Goldberg est mort. Madame Goldberg, votre mari était juif. Et on l'a tué parce qu'il était juif. Il t'a entendu dire dans ton sommeil des choses terribles, tu sais. Tu disais, non, je ne suis pas Charlie, je suis Winston. Papa, c'est quoi le vivre ensemble ? C'est pour ton cours de laïcité ? Oui, commentaire sur un texte de Lassana Bathily. Oh, je connais pas, c'est de la lecture exotique. Papa, tu fais des amalgames. Quoi ? Tu fais de la surenchère, papa. Tu fais des amalgames et c'est de l'apologie de négationnisme. Je suis dans la merde. Nous sommes là pour te guérir, Charlie. À présent, regarde-toi bien et dis-moi ce que tu vois dans la glace. Je vois Charlie. La France, ça n'est pas l'intolérance, la haine, la peur. Alors, t'es fâché ? Non. Attends. Non ? Te mets pas en colère. Pourquoi ? J'essaie pas d'être méchant. Dans ce moment-là, je fais pas de la politique. Ils sont tous Charlie. Tu fais tes boîtes et on décampe.
C'est Charlie ? Non. C'est Manuel Valls. Professeur, répétez après moi. Je suis... Je suis... Charlie. Robert. Robert Forisson. Je suis Robert, le bon...